bongo ebele toza pe na esengo kokutana na bino lisusu mokolo mwa lelo po tolobela mboka na biso République démocratique du Congo chaîne eza kaka moko DRC News pour suivre l'intégralité de l'actualité politique, sécuritaire, économique également, même sportive de la République démocratique du Congo. On est là pour vous apporter quelques actualités politiques et surtout cette prise de position de la Russie qui a été confirmée par son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. Nous allons vous donner la prise de parole de Alexis Setambov Oyo Azali Bongo, l'ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la Russie veut faire de la République démocratique du Congo et pourquoi pendant cette année où la Russie dirige ainsi les BRICS, la Russie veut avoir des partenaires, surtout des partenaires de pays africains et surtout un partenaire stratégique selon l'ambassadeur Setambov qui s'appelle la République démocratique du Congo. Pour en savoir un peu plus sur cette prise de position de la Russie et sur des sanctions sur le régime de Kagame et aussi sur le Rwanda, veuillez commencer à liker notre vidéo, commencer à liker notre émission. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire dans le chat en direct ou soit dans des commentaires pour nous faire parvenir vos suggestions et commentaires. Mes chers et compatriotes, surtout, bino bas internautes, bino bah, abonné à DRC News Télévision, les communicateurs de la République à Zalakawana, chaque jour pour vous donner la gaieté d'informations. Oyo, Ezali Bongo, sensible pour la population congolaise. Toyebike, Bozali Kozela, Maye Mazali Kosalema, aux alentours de Kanyabaonga, aux alentours de la cité de Sake. Nous allons vous donner l'information que vous attendez et surtout la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de Kanyabaonga et au niveau de Sake dans les territoires de Nirangongo. Jusque-là, ces trois territoires ne sont pas totalement dans le main du rebelle du M23. Nous allons vous donner le bilan des bombardements et puis le Sukhoi qui est monté ce matin vers toutes les positions du M23 qui ont été ciblées par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Bienvenue encore une fois, Soki, Bokutani Nabiso, Nanzela, Yamanaka, Oyo, Tozali, Kobandamanaka Nabiso, Nakoye, Bisaka, Binogete. La Russie veut se positionner encore plus sur la République démocratique du Congo. La République fédérale de la Russie prend de plus en plus position pour la République démocratique du Congo. Et cela trouble les ennemis de la République démocratique du Congo. Cela est allé traumatiser surtout le Rwanda, Oyo avivaka chaque fois par rapport à minerai Oyo Bayi Bakabiso chaque jour. Traumatisme oyo Tshisekedi ali kotia na mitu ya Banyarwanda yango ekomi kobimisa bafui na yango na mboka Rwanda. Kuna matanga ezali du jour au lendemain, Banyarwanda bali kolela bandeko na bango bazali kokufa bakafuru mwetu oyo bobengi ba M0 poso kito bengi bango ba M23 zade titwali komatisa bango niveau bazali ba M0 parce que tout chiffre multiplié par 0 est égal à 0, donc bazali bungu tulu. Et l'autre côté, chaque jour, Oyezali Koleka, le M23 sont en train de mourir en masse. Chaque jour, Oyezali Koleka, je me suis donné ce grand travail, Yakope Sakabino, le bilan, Yabanyarwanda, Obali Kokufa, chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. Comme le malheur ne vient pas seul. Pendant que l'armée est en train de monter en puissance, Banyarwanda, Basali Association, Nabango, na réseaux sociaux, surtout dans le réseau X, Bazu vidéo, y a gouverneur militaire, Peter Sirimoni. Balobi Sirimoni, Azali contre le Wazalendo. Tout cela pour décourager le volontaire pour la défense de la patrie, Otobengi, VDP. Ou soit bino wali kobenga bango na kombo ya ba Wazalendo, ils sont connus na kombo ya ba Wazalendo, mais en réalité bazali VDP
oyo ezali kopesa signification nango le volontaire pour la défense de la patrie. Alors, comme cette symbiose qui existe, cette harmonie qui existe, cette collaboration qui existe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, oyo tobengi les volontaires pour la défense de la patrie, et ezali kozangi saba IM23 lolenge ya ko avancer comme il s'attendait lorsque babandaki agression ya République démocratique du Congo. Je peux vous assurer, mes chers compatriotes, et tout celui qui suit la situation sécuritaire à l'Est peut dire la même chose avec moi sur DRC News. Voilà pourquoi je vous dis, ça fait 3 ans, Oyo Banyarwanda, appuyé par l'Ouganda, appuyé par le Rwanda, appuyé par le Kenya, bakoki kozwa totalité, il y a 3 territoires T. Le territoire de Nirangongo, le territoire de Masisi et le territoire de Rutshuru, na maminito twali kosolola na bino, ezali occupé totalement par le rebelle du M23 T. Et cela est dit à la détermination. Il y a la volontaire pour la défense de la patrie, entre parenthèses, et les Wazalendo, l'armée congolaise qui collabore en symbiose à une, dans une parfaite collaboration. Et cette parfaite collaboration, ils allaient comme mettre à mal l'avancée et le plan, il y a M23, M0, comme je l'ai dit, les terroristes. Alors, ces terroristes commencent à fabriquer quelque chose pour décourager ou soit monter les Wazalendo contre le général Peter Sirimwani, Oyo Azali Kokamba, la province du Nord Kivu. Et de l'autre côté, nous nous sommes en train de décrier cette manière de faire. Parce que lorsque le M23 est en train de couper une vidéo et de la faire sortir de son contexte, il fallait que le gouverneur militaire, le porte-parole du gouverneur militaire, le porte-parole de l'armée, puisse faire une communication pour dénoncer la sortie, il y a conteste, il y a vidéo, Oyo et Salemaki, et pas il y a gouverneur militaire Peter Sirimwani. Tomoni Sirimwani a Kendaki na Bwirimana. Le long, vous allez voir que 7000 déplacés. Je vais donner des détails. Soyez-en sûrs, rassurez-vous, les communicateurs de la République, lorsque vous regardez ces visages sur DRC News, à chaque fois que vous me voyez, soyez-en sûrs que vous avez l'opportunité d'avoir la vraie information ici, qui vient de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous disais que Peter Sirimwani a kendaki tina niveau ya Bwirimana, a komiti na front, a bangi bitumbate, bisiko masasi eliko beta, ye a kendaki kuna. Il a prêché le volontaire pour la défense de la patrie, le respect ya droit humain. Pourquoi il est en train de le faire? Nous sommes en train de le faire, ou soit le gouverneur militaire l'a fait, pour que la communauté internationale ait sous occasion de condamner biso que nous avons fait la violence ou violer peut-être les droits de l'homme. Voilà pourquoi nos frères-là, qui n'ont pas réussi le cursus militaire normal, doivent être rappelés à ce qui concerne les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, pour que nous ne puissions pas tomber dans la sanction occidentaux. Voilà pourquoi lorsque Sirimwani s'est déplacé, il a parlé à nos volontaires pour la défense de la patrie, il a parlé aux Wazalendo pour que na symbiose ezali ko salema mutu aya ko perturber bisoté. Et vous savez que même les États-Unis d'Amérique, même la communauté internationale, personne ne veut de Wazalendo. La Wazalendo, ezali nete ngomba moko boye, une colline devant les États-Unis, une colline devant le Rwanda, que ces pays-là ne savent pas comment il faut avancer. Et pour maintenant trouver une solution facile, il faut créer la fissure entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Yango nazali kobeta sete. Nali koyebi sabande konabiso ba volontaire pour la défense de la patrie. Entre parenthèses, les Wazalendo. Nali koyebi sa commandement ya forces armées de la République démocratique du Congo. Ne vous laissez pas manipuler par les ennemis qui sont en train de publier partout dans les réseaux sociaux pour décourager nos frères qui se battent volontairement. Ainsi, mes chers compatriotes,
comme le Wazalen de Bali, que ça, le ratissage le plus rapide dans le monde entier, les Américains pensent que ce qui va utiliser les moyens communicationnels, il y a les réseaux sociaux, de faire sortir des vidéos dans leurs circonstances, en ces moments-là, il peut y avoir une fissure, il peut y avoir rupture de confiance entre les deux parties. Or, Bazali komikosa parce que Bawazalendo na minitoyo, j'ai les images que les Wazalendo sont déterminés aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Nayebisa ki bango bilia ki bango bikoki. Nayebisa ki bango oyo babanda ki koluka bamoni yango. Cette guerre, Laurent Désiré Kabila Lobaki, elle sera longue et populaire. Et cette guerre qui est longue et populaire, mes chers compatriotes, regardez le résultat aujourd'hui sur le terrain. Les gens ont décrié. Moi-même, j'ai parlé de la situation de la mission de la SADC. Les gens ont commencé à penser que la SADC et l'EAC étaient la même chose. Heureusement que la SADC nous a surpris et d'une manière positive. La SADC a attaqué l'opposition de M23, na niveau Tozali Kobenga, Yasake. Et le bilan fait état de 63 M23 neutralisés, une centaine de corps qui gisent par terre. Mes chers compatriotes, pendant que les M23 sont déstabilisés, pendant qu'ils sont attaqués, pendant que leurs positions ont été détruites, il y a un lieutenant-colonel, Oyo Bachela Kimotema, et pas il y a M. Paul Kagame, qui lui est succombé à Koufi na ba bombardement. Il a plusieurs militaires, officiers supérieurs, sous-officiers, les militaires des troupes Bakoufi et Bélé, ils ont été transportés dans des civières pour que ba kende ko kunda bango na niveau ya Rwanda. Yango na yebisa ke bino que ça soit au niveau ya Kenya, que ça soit au niveau de l'Ouganda, et Zali Matanga sur Matanga. Batu bazali ko lela bazali ko comprendre te. Comment est-ce que tu sais que du réussi ya koboma batu wana d'une manière spectaculaire? L'avancée de l'armée. Regardez la situation, comment elle est tendue. Le lot Kanyabaonga et Zali wana, ils sont à quelques kilomètres, mais hier, ils ont été repoussés et ce matin, c'est les Sukhoi qui retrouvent les airs du Nord Kivu pour bombarder et lancer de missiles ou de cibler leur position et de les traquer à distance. Et de l'autre côté, Ezali Kobenga, tout la mouisi ya zaza. Ça veut dire quoi? Une fuite oyokoki komona ke un chien qui prend sa queue, qui met entre ses quatre pattes et qui cherche quelle direction prendre. C'est ce que le M23 est en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, mes chers compatriotes, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce qu'on pouvait vous raconter, armée Nabiso et Zamakasite, armée Nabiso et Zali, armée Moko et Zali faible, armée Nabiso et Zali et Zala Kilokuta Mounene pour à décourager Mapinga Nabiso. Depuis qu'il y a ces opérations, Tozali Kobenga ba opération ya vengeance ya bandeko Nabiso ba kufaki na Muguga na Bweremana. Écoutez ce que le président de la société civile est en train de dire. Retour de plus de 7000 déplacés à Bweremana. C'est la société civile qui assure. Bweremana oyo ba tubaki maki. Lorsque le M23 avait repris cette localité, le lot depuis que Wazalendo na forces armées de la République ba récupérer Bweremana, 7000 ménages, 7000 déplacés. Bazongi. Pourquoi Bazongi? Parce que armée était sérieuse na Moussala. Parce que armée zali ko pupola banya Rwanda. Et depuis Bweremana zali sous contrôle des forces armées, Moutumo côté ya Rwanda a koki koleka pembeni wana. Plus de 7000 personnes déplacées, originaires de Bweremana, dans le territoire de Masisi, Nord Kivu, ont regagné leur cité depuis le week-end dernier après avoir passé plus d'un mois en refuge à Minova. Selon le président de la société civile locale, ce mouvement de retour a débuté il y a environ un mois et s'est intensifié suite à une patrouille et une opération de traque de rebelles autour de l'axe Minova-Bweremana. Ici même la société civile
oyo ezala ki sceptique par rapport ya musalo yo armé bandaki kosala awa bazali koyebisa biso ke na tronçon ya sake Minova ou soit le tronçon Minova Bwerimana FARDC bazali kosala patrouille chaque jour une opération de traque des rebelles autour de l'axe Minova Bwerimana. Floribert Musanganya plutôt a encouragé l'armée à poursuivre ses opérations sans relâche. Ça veut dire que Makambo onali koyebisabino, ce ne sont pas les choses qu'on invente, mais c'est plutôt la réalité ya Makambo ezali kosalema dont la société civile elle-même confirme le fait. Plus de 70% de la population a retourné à Bwerimana. Parce que les forces loyalistes ont avancé vers la colline de Ndouba pour contenir l'ennemi là-bas. Je vais demander vraiment au gouvernement de ne pas retarder dans ses opérations parce que lorsqu'il tarde, l'ennemi peut encore se réorganiser davantage. Voilà, on a parlé qui connaît Bissabino Nibani. On a nos témoignages à Bato Bazali sur place. La société civile demande même au gouvernement, ne tardez plus, continuez les opérations. Le M23 est en fuite, ba commune à niveau ya Ndouba, Ndouba kuna ndeba keyi sikoyo ba contraindre nango kuna ba kiti lisusu tina village ya Ndouba, colline wana ya Ndouba est passé encore sous le contrôle des forces loyalistes. Et le président Musanganya a li koyebisa armée de continuer toujours sur cette lancée. Lors de son passage dans la zone le week-end dernier, oyona uti koyebisa bino le gouverneur militaire du Nord Kivu, général-major Peter Sirimwani, s'est voulu rassurant. Écoutez, la population veut voir la route réouverte entre Bwerimana et Sake. Nous y travaillons. Ce qu'on peut leur dire, c'est d'avoir un peu de patience. C'est pour cela que nous sommes là, a fait savoir l'autorité provinciale. Ce mouvement de retour est également observé dans la cité de Sake, toujours au sud de Masisi. Toutefois, les retournés restent inquiets en raison de la présence continue des rebelles autour de Sake et Bwerimana. Ça veut dire que Bwerimana, Sake contrôlés aujourd'hui, l'armée aujourd'hui veut avoir le contrôle de la route Bwerimana, Sake pour que patrouille ezali ko sale makuna mwana munyawanda akoki kopusa nate bangotu basali otodengi tout la mwisi ya zaza. Depuis Mukolo ya lobby, les combats se sont poursuivis hier lundi jusqu'à tard autour de la commune rurale ya otodengi Kanyabaonga opposant les forces armées et le M23. Les forces loyalistes ont toujours le contrôle de la cité de Kanyabaonga, mais les positions se présentent de la manière suivante. Nabitumbo ezali kosalema autour de la cité ya Kanyabaonga. Nazope Sabino, le bilan, les positions à partir de Kanyabaonga, Namati pe na kote ya Sake pour vous donner Makambo ezali kosalema. Écoutez, sur l'axe Rwendi, la position avancée du M23 a été repoussée de 5 km pour placer le rebelle à 10 km de Kanyabaonga. Donc, na ba rebelle ba komaki déjà 5 km na Kanyabaonga, ba betami ba repoussé bango ba zongi à 10 km de Kanyabaonga parce que l'armée a utilisé l'artillerie lourde. Là, c'était la journée d'hier dans les après-midi. Aujourd'hui, sur le même axe, l'axe Rwendi, l'armée a utilisé l'avion de chasse Sukhoi SI-25. Le Sukhoi SI-25 a bombardé encore les plus ou moins 10 km où il y a Rwanda, Babandaki qui s'installer. Et c'est une catastrophe rwandaise. Tobenga yangobo. Banyarwanda ba koufi soki otali bilongi, aucun doute de les identifier. Mais chose étrange, Tomoni Matanga et Bandipe côté ya Kenya. Je vais y arriver, laissez-moi d'abord vous donner comment les positions se présentent. Tandis que sur l'axe Lusowa, les éléments M23 ont été contraints de reculer de 9 km. Là, c'était la situation autour des
Kanyabaunga. Et l'armée continue à utiliser des frappes de forces armées en visant plusieurs des positions des rebelles du M23 l'après-midi, ya Mukolo, ya Lobi, lundi. Notamment à Kilambo, sur la route Kanyabaunga-Nyanzale-Mweso. Vers les postes de patrouille de l'UCSN sur la route nationale numéro 2, Goma-Butembo, et vers Bourangiza, provoquant des pertes énormes côté rebelle. Des explosions ont également retenti dans d'autres régions à 15 km de la cité. Vous suivez mes chers compatriotes et vous regardez que dans l'ensemble, la situation reste sous contrôle des forces armées de la République. Et l'armée est en train d'avancer. Cette montée en puissance, ça fait peur à tout le monde. Même le Rwanda ne sait pas maintenant comment est-ce qu'ils peuvent se réorganiser. Parce qu'à chaque fois, l'armée frappe le matin, le Wazalendo part en ratissage dans les heures qui suivent. Et le soir, ce sont encore les offensives des forces armées de la République qui utilisent les armes lourdes, les chars de combat, le lanceur de roquettes multiples et même les 4 missiles blindés turcs. Oyo, gouvernement et Outaki Kodote, armée Nabiso, 185 Mobimba et Zaliwana pour traquer le rebelle du M23. Et pendant ce temps, comme ils sont en train de mourir en grand nombre, au niveau du Rwanda, les familles ont tenté de manifester et le gouvernement rwandais les a empêchés. Il y a pas manifesté. Pe muto ya kotia matanga, ya mwana na yo akenda ki Kongo kobunda, abkufaki, il sera arrêté et mis en prison. Voilà la situation qui se passe. Maintenant, je vous disais, même au Kenya, le même day a commencé. Parce que le troupe kenyan, Bana William Ruto, Oyo Ruto akendelaki na niveau ya Maison Blanche pour parler de la situation de la RDC, on commence à arrêter le 70 quelques militaires neutralisés côté M23 lors de bombardements ya mission ya SADC autour de la cité de Sake. On a capturé même les Kenyans, le militaire kenyan, le passeport sont là, les cartes militaires. Il y a la Kenya et Zaliwana. Et les arrêtés, ou soit le prisonnier de guerre, Bazaba Kenya, comment est-ce que le militaire kenyan va y être se retrouver dans la position, dans Kati, il y a M23 pour attaquer les forces armées de la République. Et vous pouvez comprendre directement que lorsque les États-Unis ont tourné le dos au Rwanda, ils ont fait semblant de faire croire à l'humanité que grâce à l'enquête, il y a un journaliste, Oye Lobaki, que le Rwanda, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme et que la Belgique avait refusé d'accréditer M. Vincent Karega comme ambassadeur et que la Russie a cherché à ce que le Rwanda soit mis sous embargo et que des sanctions importantes soient établies ou soient prises contre le Rwanda et le régime de Paul Kagame, les États-Unis ont fait semblant d'abandonner le Rwanda et de se tourner vers le Kenya. Mais en réalité, ils s'est tourné vers le Kenya parce qu'ils savent que le Kenya et le Rwanda, c'est la même chose. Les mêmes nilotiques là, les mêmes Tutsis, voilà pourquoi ils ont l'appui même d'un certain Hutu. Parce que Museveni, c'est un Hutu qui appuie M. Kagame. Parce que celui qui a mené Kagame au pouvoir, c'était Museveni. Lorsqu'avant que Kagame a comme président de la République, Azalaki Nangambouana, il y a Ouganda, Bisiko Wapiba organisaki attentat, il y a président Abiyarimana, Azalaki à l'époque, président du Rwanda. Voilà la situation qui est confuse, que ce soit au Kenya, que ce soit au Rwanda, que ce soit au niveau de l'Ouganda, il y a de deuil qui sont interdits. Donc, militaire, tout à Koufiawa, moyen, balélaïe, naba famille, nabango, exalité. Voilà pourquoi ils sont enterrés dans des fosses communes. Nous avons les images, mes chers compatriotes. On sait réellement qu'ils sont morts en grand nombre. Mais le problème maintenant qui se pose, c'est quoi? C'est la situation maintenant stratégique et géopolitique. Pendant que nous sommes des voisins, retirez-vous chez vous. On est obligé d'être des voisins éternels. On doit collaborer d'une manière que chacun puisse être bénéficiaire. Bango bayoka kité. Le seul langage, ezalaki langage ya manduki. C'est ainsi qu'ils nous ont agressés. Et tu sais que diabandaki koyebisa bango.
tangu tozali koloba boye ezali faiblesse te. Nous avons les capacités de rivaliser. Voilà pourquoi bomonaki le ministre de la Défense nationale Moyo a remplacé Jean-Pierre Bemba. Si Makoku Bokutani na bangona Jean-Pierre Bemba, il a dit que nous sommes prêts maintenant pour la guerre contre le Rwanda. Ça n'est fini. Kouajik, comme les Balouba le disent. Et Sili, Mathieu Balouki, c'est le ministre de la Défense nationale qui l'a annoncé. Yemoko, sur son compte Twitter, a lobby maintenant, c'est la guerre contre le Rwanda. La guerre qui vient d'arriver pendant que la Russie vient de se prononcer contre le Rwanda et aussi la Russie annonce l'arrivée de militaires, de paramilitaires russes. Mes chers compatriotes, bon, mon acquis débat où est-ce qu'il y a Kenya, sur l'arrivée de paramilitaires russes en République démocratique du Congo. Et ça ne s'achève pas là-bas. Écoutez, je vais vous lire. Ngai, Naza communicateur de la République, je ne viens pas avec des discours profanes. Ote boye boye. Non, je vous donne les informations vraies ici. Vous pouvez les vérifier. La prise de position d'ambassadeur Alexis Etambov. Écoutez, Alobini, face à la situation politique complexe et aux conditions en constante évolution de la politique mondiale, la Russie s'efforce à développer la coopération avec ses partenaires sur la base de principes mutuels bénéfiques. Ça, ce n'est pas moi. Allez-y. Compte Twitter et ambassadeur, c'est en bas, Vézali. Allez lire. Dans l'année de la présidence russe du groupe de BRICS, nous avons l'intention d'élargir les dialogues systématiques avec la communauté internationale, en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte, l'un des pays clés, Ozoyoka, dans ce contexte, l'un des pays clés est la République démocratique du Congo. Donc, notre partenaire tout, Oyo Russia Zali Kolukana Katia BRICS, na ané Oyo Bango Zali Kokamba BRICS, alobi le partenaire clé, c'est la République démocratique du Congo. Mathieu Sili et Balouki déjà. Et de l'autre côté, la Chine lui, à l'objet, tu sais qu'elle dit au mois de juin, il n'y a qu'un an, pas d'abisso. Xi Jinping, Azana Yoposa, le président chinois. Et vous savez, quel est, je peux dire quoi, c'est quel terme vocabulaire que je peux utiliser. Vous savez comment cette symbiose qui existe entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, le président chinois. Bon, moi, là, qui comment même Bango Mibale Bakendeki, qu'on se servir Bilo Kwakolia dernièrement lorsqu'ils se sont rencontrés. Xi Jinping, à l'objet, tu sais que dit Yakanan, ton bandit construction à complexe industriel, usine à fabrication d'explosifs, oyo ezali propre pour na bana mboka, oyo kosalema awa na mboka na biso, ba grenade kosalema awa na mboka na biso, ba explosif kosalema awa e pa na biso, ba satan 1, 2, 3 kosalema awa e pa na biso, et chose oyo ezali ko étonner le monde, ba zui l'industrie ba tiango na likasi, or, kuna ezali capital mondial du cuivre, bo yebi que l'uranium de Chikolobwe, oyo Monsieur Moïse Katumbina Joseph Kabila va tekela ki ba iranien. Boyebi lisolo ya oyo tobengi la bombe d'Hiroshima. Oyo ebebi sa ba japonais minoko etengama ebimande kuna na niveau wana ya Grand Katang. Et aujourd'hui qu'on installe ce complexe industriel ya fabrication ba explosif, le monde commence à se poser des questions. Et les États-Unis ba moni que non, ici c'est la fin du régime ya Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons un autre partenaire qui peut être un partenaire stratégique au niveau du Kenya. Et les États-Unis ont même dit clairement qu'ils vont construire une base militaire na Kenya. Bah, Kimi na niveau ya Rwanda, parce qu'ils ont appris qu'il y aura des bases militaires qui seront construites, des bases militaires russo-congolaises qui seront construites à l'est de la République démocratique du Congo pour contraindre le Rwanda. Voilà la situation qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo et sur le plan international. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Moi et vous, on se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.